Hey, salut. Salut, on est à la maison des jeunes de Waterloo, bienvenue. Et derrière nous, c'est Alec et les Japonaises. Mais là, il n'y a qu'une Japonaise, mais à mon avis, c'est Alec et les Japonaises. Célibataire ? Je sais pas, on va le demander. Hein. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on dit célibataire en japonais ? On va le savoir. Ouais. Et je pense qu'elle s'est fait maintenant toute belle pour toi. Ah. Salut. Salut. Ah, monsieur Alec, bonjour. Salut, c'est toi Alec. Ça va ? Bah ouais, vous voulez voir les japonaises ? Les japonaises. On est impatients. Hein. Oui, donc toi tu te promènes avec des japonaises ? Voilà, toujours avec plein de japonaises. Et Pablo s'est demandé si la japonaise était célibataire. Non. Oh. Attention là. C'est qui demandait ça? C'est lui là. C'est lui, là. Je t'avais dit qu'il fallait pas Pablo. Hey. Ah, c'est une vraie japonaise. Oui, c'est une vraie japonaise. Ok. Du cru. Ah, ça y est, ça y est. C'est une japonaise? Non, ça c'est pas. T'es japonaise? Non, je suis pas une japonaise, non. Attends, j'ai peut-être trouvé une japonaise. Ah bon? Ouais. Mais il y a Alec et les Japonaises ce soir. Il y a Alec et les Japonaises, c'est oui. Qui eux? Alors c'est un groupe, ils viennent de Bruxelles et du Japon. Et c'est un groupe d'électro un peu décalé. Bonjour. Ah, est-ce que vous connaissez Alec et les Japonaises? Pardon, non, pas du tout. Un tal. Oui. C'était pas une japonaise. Non, c'était pas une japonaise. C'est pas un... T'es trompé. Bah oui, de derrière, j'ai cru. Ah ouais, hein. Hey, ça salut. Ah oui, oh, mais c'est les japonaises. Ouais, c'est Alec et les japonaises. Elle aussi des lunettes. Ah, qui ressemble, ça semble. Ouais. Ah voilà les japonaises. Les japonaises se préparent. Bah oui. Bonjour. C'est donc vous les japonaises de Alec et japonais. Ouais. Et les japonais. Oh, j'ai fait tomber votre sac. Voilà, c'est pas grave. Une vraie japonaise? Oui. Depuis longtemps en Belgique? Depuis 8 ans en Belgique. Ok. Ouais. Elle te fait des yeux doux là. Pablo se demandait si vous étiez célibataire. Ah. Non, c'est perdu. Perdu. Japonaise prise. C'est quoi Alec et les Japonaises, en quelques mots? C'est un électropical mélangé plein de styles différents et plein de clins d'œil. Voilà. Plein de trucs qui rendent des gens en bonne humeur. Si! Tu fais des yeux doux! Oui, tu as fait des yeux doux! Regardez! Et donc, c'est ta tenue de scène? Voilà, exactement! Ça représente quelque chose? Les lunettes, voilà, les lunettes. Voilà, je peux les mettre. C'est un peu disco, ça, on peut dire? Ouais, bah, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, je crois. Ouais. Trop cool! Voilà. En fait, on est des patineurs artistiques, on s'est reconverti dans la musique, ça rapporte rien le patinage artistique. Candle Row à tout prix, il reste plus rien. Du coup, en musique, on s'est dit, il y a une petite. Il y a moyen. Il y a un petit créneau, une petite niche. Ouais. Tu fais quoi comme musique toi? Nous on fait de l'électropical. De l'électropical? Voilà, c'est un mélange d'électro et de tropical. Et voilà, c'est un truc un peu fait pour danser.
un peu décalé évidemment, et puis voilà, un peu de tout quoi. On mélange tout ce qu'on aime. Ouais. Donc voilà. T'aimes bien quoi? Non, on aime de tout. On aime beaucoup. On aime beaucoup la musique brésilienne, donc on met beaucoup de musique brésilienne, mais en même temps, voilà, de la musique électro sur des couches brésiliennes, mais en même temps, enfin, je dis beaucoup en même temps. Qu'est-ce qu'on mélange encore? On fait même de la country maintenant. Salut. Ouais. Toujours à Waterloo avec Alec et les Japonaises. Bon, c'est l'histoire d'un gars hein, qui attend qu'on l'appelle, qui postule, qui en fait écrit des nécrologies, donc nécrologue. Il écrit dans les trucs où t'appelles ouais, de rencontre. Pas, oui, voilà, cherche homme, enfin, cherche okay, femme plutôt. Ouais. Japonaise. Donc homme 45 ans, cherche femme 25 ans. Puis, ouais. C'est toujours un peu comme ça. Bah, lui, il est nécrologue de profession et il fait ça. Mais donc, il fait des jeux de mots avec des feintes et des feintes. C'est... J'ai pas le bout des doigts qui, c'est ça? Non, c'est non, le bout ça va. Qui... Oui, il y a aussi une chanson qui s'appelle Kikiki, puis des doigts. Kikiki. Ouais. Tiens, non. Puis des doigts. Kikiki, des. En fait, mon frangin, c'était pour mon frangin, mon frère, pardon. Il habite loin, on lui a fait un petit CD, c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Il est prof de gym. Ouais. Bon, tout le monde sait bien que les profs de gym, ça pue des doigts. Ah bah oui. Non si, non oui. D'accord, si, si, oui, voilà. Oui. Excellent. Hein. Ouais. Moi, ça fait la 12e fois que je les vois, je pense. Je suis fan, donc j'attends avec impatience mon bisou. Ah les oui. CD. Le bisou des japonaises. Oui, oui, bien sûr. Donc elle donne des bisous, la japonaise. Ouais, je crois. Y'a moyen de définir ce qu'ils font De la légèreté, le truc qui fait du bien le vendredi soir, la déconnade, les paroles quand même sensées un peu qui vont nous faire réfléchir la semaine, le mois à venir, ouais. La fin de l'hiver. Ça va vous faire réfléchir sur quoi? Ben un peu la philosophie de la vie, c'est quand même une autre culture, ça vient quand même du pays où le soleil se lève, donc voilà. Vous êtes prêts pour un jingle? Yeah! Tu te serais pris un mur un jour? C'est une chanson qu'on a faite à Berlin, tu sais bien le mur. La grande époque. Ah, tu sais. Ils sont complètement décalés, hein. Ils sont complètement dingues. T'es dur comme le mur, t'es dur comme le mur, t'es dur, 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 dur comme le mur. Mais ça manque, ça. Ça manque vraiment beaucoup, quoi. Ouais. C'est... Beaucoup de groupes sont trop sérieux et ont trop envie de faire des trucs qui rapportent. Et ça, on voit qu'ils déconnent et qu'ils font ça pour le plaisir et c'est ça qui est bon, quoi. Doux comme la boue. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est justement le côté décalé, en même temps que c'est décalé, en même temps c'est rythmé et c'est construit, c'est pas juste n'importe quoi quoi, donc c'est... Et en plus ils sont super sympas, donc tout ça ensemble, pour moi ça fait un super groupe quoi.
c'est chaque Kuliman qui provoque le hockey. Ouais. T'imagines, je te... Ah, voilà. Ah oui, ça marche. Je fais... Fais-le avec... Oh, j'arrive plus à faire. C'est un gars bien, Chaco Lima, c'est un gars bien. Ah. Et donc il est là, ah, toi tu te lèves pas alors tu auras le ok. Excellent. Tu sais qui joue après? C'est Playboy's Band, mais je connais pas plus que ça. Je sais juste qu'ils font de la musique avec des petits trucs électroniques, des petits jeux pour enfants qu'ils ont modifiés. Exactement. On va... Oui, c'est tout à fait ça. Mais on va regarder une petite séquence et puis on les voit. Okay. On va faire ça.